Non, l'état d'esprit, il est vraiment bon. Après, c'est vrai que bon, là, on vient de faire la vidéo, on a mis un peu plus l'accent sur l'aspect défensif parce qu'on a pris 3 buts et c'est des buts qu'on peut éviter. Donc voilà, on reste vigilant et on va essayer de travailler cette semaine pour peaufiner ces petites erreurs. C'est gentil, ouais, mais c'est plutôt bien. Mais c'est à l'image aussi d'équipe. Je pense que toute l'équipe tourne bien, à l'image d'Andy aussi qui fait un excellent début de saison, comme toute l'équipe. Non, c'est vrai que c'est positif, maintenant ça donne envie de continuer et de continuer à faire des stats et faire gagner l'équipe. Non, c'est sûr, un peu des deux. Je pense que l'équipe, ça fait depuis 2-3 ans maintenant qu'on joue ensemble, donc on se connaît tous bien et c'est vrai que moi je me sens bien personnellement, donc c'est bien de progresser tous les jours. J'espère continuer à progresser en tout cas. En forme Gaëtan ? Ça va et toi ? Ça va, hein ? Ça va, ça va. Bon, un peu frais quand même ce matin. Ouais, récupérer les équipements avec le capteur GPS aussi pour la séance. Ouais, c'est les intendants qui nous mettent tout ça à disposition et puis plus qu'à se servir. Ouais, t'as l'habitude, non ? Ouais, j'ai l'habitude, mais c'est chiant quand même. C'est pas agréable quand même. Et après, ça va détecter, ça va faire une mise à jour à l'extérieur et ça va tout passer sur la personne. Allez, voilà. Pour le réveil. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, peut-être dès le matin, là, ça. Ok, on a fait bien ça. Bon. Merci. C'est bon ? C'est bon ? Merci. Continue à faire une fois que ça saigne. Comment il va le type des Landes ? Ça va bien. On va rentrer chez nous. Hein. Ouais, on va pouvoir. Ah oui. 77, 6. On va rentrer chez nous. Ouais, ouais, c'est bon, ouais. Le poids est bon. Comment ? Ouais, le poids est bon, il est stabilisé depuis un petit moment, c'est bien. Ta place ? Ouais, ça c'est ma place. Avec mon permis Hello qui est là à côté. Et monsieur Moulet à ma gauche. Ça va ? Donc voilà, bon, j'ai Andy qui est en face à Diagonale. Et puis, voilà, c'est là où on prend le vestiaire quand je suis arrivé. Et je vais toujours regarder du coup au final. Un petit quiz par rapport à des situations. Okay. C'est-à-dire que je te dis une situation. Et à chaque fois, tu vas me dire. Un joueur de l'équipe, 0-0, il y a un attaquant qui est lancé en profondeur, seul face au gardien, tu choisis qui pour ce face-à-face ? Ouais, je choisis Andy sans hésiter, je sais que... Il a l'expérience, il est très efficace, donc plus il adore ces moments-là, donc ouais, largement Andy. Ouais. Un match avec beaucoup d'engagement, tu subis un gros tac pendant le match, l'action continue. Tu choisis quel joueur pour la petite vengeance, le petit taquet en retour Je pense que la petite vengeance, j'aurais même pas besoin de lui demander, c'est Tej, je pense qu'il aura envie de faire justice. Il aime bien ça, il aime bien tout ce qui est un peu combat, tout ça, donc je le sais que ce sera le guerrier pour pouvoir faire cette mission. Alors vous passez complètement à côté de votre première mi-temps, vous prenez le bouillon en première mi-temps. À la mi-temps, le coach vous laisse seul au vestiaire. Tu choisis quel joueur pour la petite causerie ou la motivation pour remettre un peu les troupes Je pense sans hésitation, je peux dire Vito. Avec son expérience et l'impact qu'il a sur le groupe, c'est un grand monsieur dans le football. Donc je pense que tout le monde écouterait et serait vigilant à ce qu'il nous dirait. Grosse victoire qui permet, on va dire, de vous qualifier pour une coupe européenne. Grosse joueur, tu choisis qui faire le cri de joie dans le vestiaire ? Qui c'est que je pourrais mettre ? Je pourrais en mettre plusieurs. Je pense que voilà, je mettrais sûrement Andy, sûrement Pedro, Flo, voilà, qui mettront bien l'ambiance. Retour en bus après une grosse victoire à l'extérieur. Tu choisis qui dans le bus pour mettre la musique, le DJ ?
Bah, dans le bus, c'est un peu compliqué parce que y a plusieurs générations, donc faire plaisir à tout le monde, me dire je me mettrai moi, je pense, pour l'ambiance. Et d'autre côté, je mettrai Flo ou Ambrose. Je mettrai même Ambrose pour tout. Je pense qu'il est bien dans ce cas-là. Les amis, cliquez ici pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez pour vous abonner à notre YouTube channel. Cliquez ici pour vous inscrire sur la page du MHSC. 구독, 좋아요 해주세요. Cliquez ici pour vous abonner à la chaîne YouTube. Cliquez ici pour vous abonner à la chaîne YouTube. GMHSC.